matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. Quelle joie de vous accueillir ce matin pour un moment béni de louange, de prière, de partage ensemble. Merci d'être fidèlement connecté tous les matins. Et dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville. Et envoyez-moi surtout vos sujets de prière qui apparaissent maintenant au bas de l'écran, sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Alors, on démarre avec ce chant que vous connaissez bien. Oui, je te célèbre. On y va, le petit chapeau, la petite flèche pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oh, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Oh oui, il est bon. Le thème de ce matin, ne jamais désespérer. On va lire ensemble dans le psaume 71, 12 à 16. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu. Viens vite à mon secours, qu'ils soient honteux et disparaissent ceux qui m'accusent, qu'ils soient couverts de honte et de déshonneur, ceux qui cherchent mon malheur. Quant à moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Je raconterai tes hauts faits. Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Vous savez, le contexte du psaume 71 ici parle de la naissance à la vieillesse. Et l'auteur, on dit que c'est auteur anonyme, probablement
moi je dirais peut-être probablement David, un peu plus âgé, mais on dit que l'auteur est anonyme, âgé, lorsqu'il a écrit cela. Lorsqu'on lit cela, bien, les années passent et on se rend compte que nous avons davantage besoin de Dieu. Moi, de plus en plus, plus les années passent, plus je réalise que j'ai besoin de Dieu davantage. On ne doit jamais désespérer, mais de continuer à compter sur celui qui ne nous échappe pas des yeux. Il n'y aura jamais une situation trop grande ou trop tragique dans laquelle Dieu ne peut intervenir en notre faveur. Il nous faut garder l'espoir, car cet espoir est une partie fondamentale de notre foi chrétienne. Alors même lorsqu'on pense que nous avons atteint la limite et le seuil de la douleur intérieure, si nous crions à lui et que nous invoquons son nom, il répond. Il répond. Alors, on ne sera jamais, comprenez cela, nous ne serons, vous et moi, jamais trop vieux, trop vieilles pour servir et prier. Au contraire, nous voulons donner aux suivants, nous voulons donner aux plus jeunes le goût de servir et de continuer l'œuvre que Dieu nous a appelés à accomplir. Alors, rappelons-nous cela aussi. Moi, je lisais cela et c'est vrai. Moïse, 80 ans, lorsque Dieu lui a demandé d'aller faire sortir les enfants de l'Égypte. Alors, c'est incroyable. Abraham avait 75 ans lorsqu'il a obéi à l'ordre de Dieu de quitter sa patrie et de le servir dans le pays de Canaan. Et que penser de Caleb qui avait plus de 80 ans et qui voulait aller prendre la montagne? Alors, nous ne serons jamais trop vieux pour servir le Seigneur ou trop vieille. À 63 ans, j'ai 63 ans dernièrement, j'ai été accepté en tant qu'aumônier dans les prisons, et car je crois qu'il y a un grand besoin à l'intérieur de ces murs. Vous savez, il y a bien des gens qui prennent leur retraite à 63 ans. Je ne veux pas. Évidemment, je ne me cherchais pas un emploi, mais je voulais rencontrer un besoin. Et je démarre, tout simplement, je vais démarrer en tant qu'aumônier dans les pénitenciers, dans les prisons. Aujourd'hui, dernièrement, j'ai fait la distribution des paniers de Noël pour notre banque alimentaire Action Nouvelle Vie, justement. Alors, pour les gens qui ne peuvent se déplacer, alors ça fait plusieurs années que je fais cela. Et croyez-moi, on ne peut s'imaginer la souffrance qu'il y a juste à côté de chez soi. Alors, très grande souffrance de personnes. Lorsqu'une personne vient te répondre à la porte en chaise roulante et amputée jusqu'au genou des deux jambes, alors je crois qu'il y a des besoins énormes. Et pourquoi je vous dis cela? Car il n'y a pas d'âge limite pour persévérer dans le service, pour continuer. J'écoutais un pasteur de 85 ans qui a déclaré que ses 35 ans comme pasteur de son église lui ont paru comme 35 minutes. Alors, peu importe les personnes à qui vous allez questionner, peut-être des gens centenaires qui vont vous dire que leur souvenir lointain ne leur semble pas si loin. C'est pour cela que peu importe l'âge, nous ne devons jamais, jamais, mais jamais désespérer et continuer à servir. L'essentiel, savez-vous c'est quoi l'essentiel? C'est de vieillir spirituellement bien. Et le restant va suivre. Alors, important. J'aimerais qu'on puisse relire justement le texte de ce matin dans le psaume 71. Ça dit: « Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu. Viens vite à mon secours. Qu'ils soient honteux et disparaissent ceux qui m'accusent, et qu'ils soient couverts de honte et de déshonneur ceux qui cherchent mon malheur. Quant à moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Je raconterai tes hauts faits. Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. » Alléluia. Alléluia. On va prier, si vous voulez bien, pour les besoins de ce matin. Oh, merci Seigneur. Merci.
Merci mon Dieu pour Erika, pour son rétablissement. Pose ta main sur elle de la tête aux pieds, qu'elle reçoive double portion de ta présence. Merci pour Lucas. Merci Seigneur de continuer à toucher ce jeune homme. Continue de te révéler à lui puissamment et qu'il puisse trouver sa voie professionnellement et qu'il soit épanoui. Merci Seigneur, accompagne Lucas. Merci pour Peter qui est incarcéré afin qu'il puisse faire une rencontre avec toi Seigneur à l'intérieur de ses murs. Merci pour Océane et Dominique qui traversent une période de dépression. Merci de les toucher, de les visiter par ta main toute puissante. Merci pour Nathalie qui a fait un AVC et qui est dans le coma. Merci de poser ta main sur elle. Qu'elle reçoive de toi. Déploie ta puissance de guérison maintenant de la tête aux pieds. Seigneur, nous prions pour Nathalie. Seigneur, et que ta puissance soit manifeste. Merci Seigneur pour Zika qui est en réanimation suite à la COVID et dont les poumons ont été affectés de 93%. Alors Seigneur, merci de la relever surnaturellement. Merci pour Bruno qui a des douleurs au dos. Relève-le, enlève toute douleur à son dos maintenant. Merci pour Yvette qui est toujours très anxieuse. Enlevez toute cette anxiété. Et qu'elle soit en paix dans ta présence. Merci pour Christina qui désire seulement être une source de bénédiction autour d'elle. Utilise-la, bénis-la, comble-la par ta main toute puissante. Merci pour Maryse, merci pour ses finances, de lui donner au-delà de ses attentes. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les combler, de les bénir, de les accompagner au long de cette journée. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, il est bon pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne tout au long de cette journée. Et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble. Saviez-vous que le Liban est le pays du Moyen-Orient où il y a énormément de chrétiens? Et je veux vous encourager à poser un geste de générosité afin de venir en aide à nos frères et sœurs là-bas qui ont tout perdu. On dit que 80% du pays est sous le seuil de la pauvreté et nous désirons ensemble pouvoir bénir plusieurs familles. Alors n'hésitez pas à faire un don en allant sur le lien qui apparaît à votre écran maintenant, en cliquant sur unverdeau.com et ensemble, nous allons faire la différence.